prophétie de la guerre qui arrive en Iran, proclamée le 28 janvier 2012, Canberra, Australie. Je vois deux missiles. Et l'arrière du missile, je ne sais pas si c'est comme du cuivre, c'est comme du cuivre. Et ce missile, le missile a une hélice. La forme a hélice derrière. Le missile va comme ceci. Il y a deux missiles. L'arrière a des hélices. Et lorsqu'elles ont été lancées, lorsqu'elles ont lancé, elles tournent comme ceci, les hélices. Lentement, alors que les missiles sont lancés, lentement comme ceci. Je parle de l'hélice. Mais alors que le missile a été lancé. Et vous savez, le Seigneur réduit pour moi la vitesse afin que je puisse voir mieux. Je vois deux missiles. Et ces missiles vont et frappent l'installation nucléaire vers la montagne. Et depuis ce temps-là, j'ai identifié que ce temps doit être celui d'être en attente. L'installation de stations de latence en Iran. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intelligences qui ont trouvé que non. Tous les autres ont simplement des plaisanteries, mais le travail est réellement ici. Natanz. L'installation nucléaire vers la montagne. Et ce qui m'a surpris, lorsque le Seigneur m'a parlé de cette guerre, lorsque les deux missiles, et ces missiles, ce sont des missiles nucléaires, ce sera mauvais. Dans ce rêve, lorsque les deux missiles ont frappé l'installation nucléaire vers la montagne, oh, l'explosion qui est venue de là, la plus grande explosion depuis la création de la Terre. Et le feu qui est venu, les flammes qui sont venues, l'explosion, ça a des petites flammes comme ceci, des petites flammes comme ceci, et qui vont en haut comme ceci. En fait, je les vois, en fait, les petites flammes qui montent comme cela, les flammes qui vont en haut. Et elles commencent aussi longtemps qu'elles se trouvent l'est vers l'ouest. J'étais choqué. Lorsque je me suis levé, j'ai sauté. Cette guerre qui arrive en Iran ici, et c'est ce et plus tard, le Seigneur est venu et m'a montré l'armée israélienne. Il m'a montré les avions. Maintenant, je ne sais pas si vous savez comment le Seigneur parle à son serviteur. Normalement, il me prend et je m'assois dans la réunion, en pleine réunion. Je m'assois là-bas et ils me saluent. Et ils ne savent pas que je suis là. Et il y a une discussion. J'écoute toute chose. Je suis assis là-bas. Et lorsque je me réveille, je dis waouh. Et je vois l'avion. Et comme le Seigneur les présente, ce sont des avions fâchés. Je ne vais pas donner des détails. Ce sont des avions fâchés. Je les vois faire des exercices. Et je vois le pilote. Les réunions, les planifications, tout ce qui a été fait. Les forces de défense israéliennes. Alors, nous savons qu'il est sur le point de venir. Écoutez-moi. Il dit, lorsque vous verrez cet évangile du royaume, pas l'évangile de la prospérité, l'évangile du royaume, l'évangile qui dit, regardez, j'ai vu le Messie. Regardez, préparez la voie du Messie. Regardez, j'ai vu le royaume de Dieu. Je le vois venir. Regardez, j'ai vu l'horloge de Dieu. Regardez, j'ai vu les noces de l'agneau. Regardez, j'ai vu le ciel ouvert. Préparez-vous. Lorsque vous voyez ces messages du royaume, cet évangile du royaume, commencez à aller partout sur la terre. Alors préparez-vous. Soyez prêts. 2 mars 2012. Cette guerre dont il parle, de frapper les nations avec son épée, et la bête qui s'est rassemblée avec des généraux,
qui sont rassemblés contre le Messie. Cela arrive lorsque le Messie revient du ciel vers Jérusalem. Cette guerre ici, ce n'est pas la guerre entre Israël et l'Iran. Ce n'est pas, à nouveau, la guerre nucléaire entre l'Iran et l'Israël qui se le point d'arriver maintenant. Ce n'est pas cette guerre-ci. Lorsque la bête est liée avec son faux prophète et jetée dans le lac de feu, ce n'est pas la guerre entre Israël et l'Iran dont nous parlons en ce moment. Donc, qu'est-ce que donc cette guerre entre Israël et l'Iran? Mais avant de mentionner quoi que ce soit, je vais un peu plus en avant, bien aimé. Mais quelle est la guerre entre l'Iran et Israël? J'ai un petit graphique ici. Je l'ai appelé la ligne du temps prophétique de Dieu. Et j'ai positionné un endroit appelé aujourd'hui. Et en d'autres mots, c'est ici que nous sommes aujourd'hui. J'ai tracé une ligne horizontale. Et la première partie à gauche, je l'ai appelé aujourd'hui. Ça veut dire où nous sommes en ce moment. Et j'ai tracé une ligne verticale pour couper la ligne horizontale. Et à l'intérieur, au prochain segment, j'ai écrit la tribulation. Écoutez-moi bien aimé. La guerre entre Israël et l'Iran qui va prendre place, ce sera si sévère qu'il y aura une contre-attaque où l'Iran va contre-attaquer. Et ça va être conduit par la Russie. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, dans la nouvelle que je vais lire pour vous aujourd'hui, dans le journal que je vais lire aujourd'hui, comment la Russie a mis en garde. La Russie a mis en garde Israël et les États-Unis d'Amérique de ne pas attaquer l'Iran. Donc vous commencez à voir le rôle central de la Russie dans cette guerre. Même l'installation nucléaire en Iran a été construite par la Russie. Je voudrais lire plusieurs journaux ici de Haaretz, qui est un journal israélien. Mais quand cette guerre arrive, sera si sévère qu'elle causera Israël à signer un traité de paix pendant 7 ans. Un faux traité de paix. Et ça veut dire que lorsque cette guerre a lieu, ça arrive lorsque l'enlèvement est ici. Parce que lorsque ça a lieu, Israël est contraint de signer un traité de paix de 7 ans, un faux traité avec les États arabes et la Russie, les ennemis de Dieu. Et ça, c'est la tribulation. Le relèvement a eu lieu.